Salut à tous, c'est Philon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Vraie Strat avec quelque chose d'assez stylé. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur le circuit compétitif du site Coup Critique, vous savez, le site de rédemption sur lequel je prends toutes mes illustrations stratégiques, quasiment un site incroyable avec une équipe incroyable et aussi, du coup, un circuit compétitif qui est lead par Ojama et par toute une partie de la team de Coup Critique, donc gros GG à eux. Et du coup, ce que je vais vous montrer, c'est la finale, la grande finale du tournoi Pick and Ban dont j'avais parlé il y a quelques mois, qui est le plus long tournoi, à moins que je me trompe, de l'histoire des tournois Smogon, étant donné que ce tournoi a duré 5 mois. Il y a eu 380 participants. Ce qui est gigantesque, hein. 380 participants, c'est vraiment énorme. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, après avoir vu ma vidéo sur format, s'étaient dit qu'ils allaient tenter leur chance. Et il y en a qui sont allés assez loin, donc gros GG à vous. Vraiment, continuez à apply si vous avez besoin d'informations et tout. Il y a le Discord de Coup Critique que je vous mets dans la description. Du coup, le format Pick and Ban, c'était ce fameux tournoi où vous pouviez bannir des Pokémon que l'adversaire ne pouvait pas utiliser et choisir des Pokémon pour vous. Et du coup, par exemple, on voit ici la draft 1 entre Stellar Flare et Akali. C'est la grande finale, effectivement, que je vais vous montrer. Donc, on voit par exemple que voilà, l'équipe finale, c'est Darkrai, Primarina, Rwagada de Galar, Elector, Gromago et Scalperer. Et Akali, lui, va jouer du coup Zamazenta, Demeteroste, Rugilune, Kyurem, Terrestre et Pomme de Fer. Et on regarde les Pokémon ban. Donc vous pouvez voir, je ne vais pas vous faire un résumé complet parce que sinon la vidéo durerait 30 minutes. Si vous voulez voir un résumé beaucoup plus complet des drafts, vous avez la chaîne YouTube de Coup Critique que je vous mets aussi dans la description. Donc là, on a Scorbunny qui a été ban, on a Alomomola qui a été ban, Melodev qui a été ban, Dinglu qui a été ban. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ban. Tu ne peux pas jouer des formats de stall ou de semi-stall. Et de l'autre côté, pour la team d'Akali, on a quoi qui est ban? On a Gorithmic, on a Ogerpon, on a Lansorien, on a Garde de Fer, on a Dracolos. Donc là, ça dit quoi? Ça dit, moi, je vais jouer une team un peu plus bulky. D'ailleurs, ça se voit avec Rwagada de Galar, Elector, Scalperer, Gromago et tout, Primarina, qui sont des Pokémon très bulky. Et du coup, moi, je vais ban des Pokémon très dangereux qui peuvent se setup et tout. On voit que dans les Pokémon bannis, quasiment tous peuvent se setup et sont très dangereux comme ça. Donc du coup, maintenant que les deux ont communiqué leurs informations l'un à l'autre, on peut partir sur ce premier match de la grande finale. Des matchs qui sont incroyables, extrêmement serrés, vous allez voir. Donc ça valide avec Rwagada versus Pomme de Fer. Du coup, le Rwagada va terrafer directement pour ne pas se faire saboter éventuellement par le Pomme de Fer. Et ça va faire la machination et directement switcher. Alors que c'est un peu dommage parce que la Terra a été utilisée. Après, quand on regarde la team d'Akali, c'est vrai que le type fée va être très très fort. On a du type dragon, du type combat dans tous les sens. Donc ça va être vraiment vénère. Ouais, c'est vrai que deux types dragon, deux types combat. Le Terrafée est quand même très utile. Le Rugilune va arriver et va saboter du coup le Scalperer qui va venir sur le switch-in. Et on voit que le Scalperer portait la baie pomme rose. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce tournoi. C'est qu'en fait, comme tu avais du temps pour préparer ta team après avoir vu ce que l'adversaire allait jouer, tu pouvais préparer la baie pomme rose évidemment pour ne pas prendre les attaques. c'est quoi déjà comme type la baie pomme rose? J'ai peur de dire une connerie, mais j'ai envie de faire ça bien. Je suis désolé. Je crois que c'est... Mais c'est pas... c'est la Chopple. C'est la Chopple. Donc, c'est les attaques combat. C'est vrai, en même temps, t'as deux types combat. Donc, le Scalperer va poser les pièges de rock. Donc, ça, c'est original aussi. Le Rwagada va venir. Il n'est plus faible, évidemment, au type sol. Donc, du coup, il est tranquillou, bilou. Et il peut faire une machination sur le Rugilune. Est-ce que ça va switcher cette fois? Il va se faire saboter. On note qu'il a les restes. Donc, il avait vraiment prévu de le Terra direct. C'est peut-être pour ça qu'il l'a fait. Il n'a pas la boue noire. Il va se faire saboter ses restes. Et derrière, la Terra explosion fait qu'il va
évidemment détruire le Rugilune qui du coup n'aura pas servi à grand chose à part saboter quand même deux Pokémon, donc c'est pas si pire que ça je suppose. Le Demeteros va venir, le Roigada va tanker le séisme facilement, mais c'est un coup critique. Heureusement Stellar Flares a fait la paresse au cas où ça pourrait se passer, et du coup une deuxième paresse devrait régler le problème du premier crit. Et même s'il va perdre des PP, il est revenu full vie, et du coup le petit séisme supérieur et la Terra Explosion qui ne va pas tuer. Cependant, à moins d'un autre crit, il peut refaire exactement le même cycle, étant donné que séisme inflige moins de 40%. Donc voilà, vous voyez, il peut juste spammer. Alors oui, vous allez me dire, mais il a plus de paresse quasiment. Mais n'empêche qu'il a fait le taf, là il a tué deux Pokémon avec sa Terra, donc il est plutôt bien là-dessus. Quand on met un Zamazenta sur un type fée, c'est qu'on téléphone le tacle lourd, mais du coup le gros magot est présent, la tête de fer du coup à la place de tacle lourd, parce que bah oui, tu prépares ta team, donc tu vois que l'adversaire n'a pas vraiment de Pokémon très lourd, et du coup tête de fer est meilleure parce que ça peut flinch évidemment. Et la mâchouille derrière sur le gros magot qui va perdre en def et poser la protection. Donc pareil, gros magot avec les écrans, c'est quand même vachement rare. Ça va switch sur le terrestre. Petit soin de la part du gros magot qui montre hein, vraiment qu'il joue une team quand même assez défensive. Scalperer va venir sur le terrain. Les picots vont être posés. Il n'y a aucun moyen pour la team de Stellar Flares d'enlever les picots et les pièges de roc. Donc ça, c'est un peu chaud. Tu me diras, c'est la même chose pour la team d'Akali, mais qui a dû mettre les grosses bottes sur son QRM, sur ce genre de truc. Et derrière, quand même, bah, le hazard spam, bah, ça marche toujours aussi bien. Il ne va pas tenter l'éventuelle tête de fer flinch sur le terrestre. Peut-être tout simplement qu'il s'est dit qu'il avait un meilleur game plan. C'est vrai qu'il avait 30% de chance d'empêcher le terrestre de se soigner. Ou peut-être tout simplement qu'il s'est dit que l'adversaire allait switcher sur le paume de fer. Ça fait beaucoup de fer, évidemment. Mais c'est vrai que si l'adversaire avait switché sur le paume de fer, bah, le scalperer était obligé de se barrer. Et paume de fer, un excellent match-up contre toute la team de Stellar Flares. Donc du coup, voilà, il faut faire très gaffe. Je rappelle, hein, il est neutre au type vol, il résiste au type électrique, il résiste aux deux stabs de Scalperer. Roigada de Galar, certes, peut lui faire mal avec Terra Explosion, mais le truc, c'est que ce Pokémon est extrêmement bulky. Darkrai va galérer aussi. En fait, il y a plus ou moins que Primarina qui peut faire quelque chose. Allez, le petit choc psy pour infliger des gros dégâts au terrestre. Alors ça, je ne sais pas si Akali s'y attendait au choc psy qui fait vraiment très mal. Et le Zamazenta va venir et le Darkrai va remettre un choc psy. La Beia Pap qui va réduire les dégâts, évidemment, de type psy. Très très rare, mais bon, quand tu sais que l'adversaire sait que tu vas ramener deux types combat, bah, tu t'attends à devoir tanker une attaque psy avec ton Zamazenta. On va switcher directement sur le paume de fer. Le Darkrai ne peut pas rester sous peine de se faire détruire, évidemment. Et le Elector va arriver. Il sait, Akali, que son paume de fer doit rester en bonne santé. Et que s'il reste en bonne santé, à la fin de la game, eh ben, c'est lui qui va gagner. Donc là, l'Elector va faire le petit demi-tour. On va mettre le Scalperer. Le Scalperer va prendre des gros dégâts. C'est le problème hein, des picots. Quand tu mets les rangées de picots, alors oui, le Pokémon est mort, mais le Scalperer, bah, sur le papier, il est quasiment mort et il va révéler que c'est un paume de fer qui est en tout cas plus investi que le Scalperer adverse. Et là, vous voyez, encore une fois, gros magot arrive, 6% les pièges de roc et boum, 25% les picots, c'est gigantesque. Du coup, le gros magot va mettre la protection sur la dense lame du paume de fer et derrière, c'est obligé de mettre le Roigada de Galar. C'est un peu compliqué, il va laisser mourir son Roigada de Galar avec le Voltasso. En plus, c'est vrai que Pomme de Fer a Voltasso et il n'y a pas de type sol dans la team de l'adversaire, donc c'est complètement gratos. Le Darkrai va venir et va brûler le Pomme de Fer qui va révéler la Béprine. Et enfin, c'est ouf de voir à quel point ils vont dans leur tête l'un l'autre, parce que il n'y a pas vraiment de menace de statut quand on regarde la team de Stellar Flares. Qu'est-ce qui menace concrètement? Ben, il y a pas de paralysie, parce que bah, du coup, Pomme de Fer est insensible. On sait que Gros Magot ne peut pas... Enfin, il peut se faire toxique, peut-être par Roigada de Galar, c'est vrai. Peut-être le feu follet de Darkrai est peu probable, mais finalement, ça a marché. Et là, du coup, le Pomme de Fer, bah, vous vous doutez bien qu'il est très, très bien placé dans ce match. Heureusement, le Elector a quand même des vents violents, mais Voltasso, malgré la protection, fait des dégâts vraiment
trop limité. Et derrière, par contre, il va remettre un vampipoint. Alors peut-être qu'il s'attendait à tuer, parce que du coup, s'il avait fait Voltasso, il finissait avec plus de vie techniquement. Attends. Vent violent. Parce que là, c'est parce qu'il a raté le lecteur qui finit avec plus de vie. Ouais, c'est ça. Hein. S'il avait repris un vent violent, il était à 36%. Alors, il était peut-être en mood. Non, mais non, Voltasso touchotait. Donc, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il doit y avoir une raison, évidemment, dans les répartes et tout. Parce que là, du coup, si le lecteur n'avait pas raté son deuxième vent violent, le pomme de fer était mort. Et si le pomme de fer était mort, eh ben, gérer le gros magot et le oratoria aurait été un peu plus compliqué. Après, il a peut-être... un petit secret avec le curem, et vous allez voir qu'effectivement il a un secret avec le curem. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a préféré assurer le steak. Donc le gros magot va se soigner, ça va remettre une protection pour que le oratoria puisse tranquillou bilou venir au cas où du coup le Zamazenta voudrait faire le taf, et le pouvoir lunaire pour tuer le pomme de fer. Et vous allez voir qu'au final ça changeait pas grand chose, parce que curem va arriver et révéler que c'est le Terra électrique, la Terra explosion, et derrière Oratoria ne va pas pouvoir tuer avec pouvoir lunaire. Et c'est peut-être pour ça qu'il a voulu reposer la protection, parce que du coup il est en mode bah si c'est un curem 7 classique avec attaque glace, attaque dragon et des trucs genre atterrissage, clonage et tout, et ben je mets la protection, comme ça j'ai une chance de gagner contre le Zamazenta. Mais hélas, ça ne va pas se passer comme ça, et le Oratoria va perdre le duel contre le curem. Pas de aquajet de l'arnaque, évidemment. Il n'y a pas l'air d'avoir de... Bah, en vrai, il a peut-être la Bécherim, mais de toute façon, même s'il avait eu la Bécherim, ça ne change rien, parce qu'il restait Zamazenta qui pouvait venir sur le terrain. Alors, je sais que je vous montre une seule game, mais si vous voulez voir toutes les games, vous avez la chaîne YouTube Coup Critique. Je vous engage à aller les voir parce qu'elles sont vraiment très cool. J'ai pris la game qui, pour moi, était la plus intéressante en termes de draft, en termes de comment les joueurs se sont préparés tout au long du tournoi. Il y a eu plus qu'une game, c'était un best of 5, donc je vous laisse le suspense sur qui a gagné. En tout cas, gros GG aux gagnants, évidemment. Et voilà, vous avez les liens dans la description. Je vous fais des gros bisous. J'ai adoré regarder les matchs de ce tournoi. Allez sur le Discord de Coup Critique pour in au prochain tournoi. Hein, c'est jamais fermé les inscriptions. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.